Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry est un auteur français originaire de la ville de Lyon. C'est un auteur du XXe siècle que l'on ne peut pas vraiment associer à un courant littéraire. Il est écrivain, poète, mais également aviateur. Il est né le 29 juin 1904 et a disparu en avion le 31 juillet 1944. Sa disparition est un mystère encore aujourd'hui. Antoine de Saint-Exupéry est issu d'une famille noble. Durant son enfance, sa mère lui a appris l'honnêteté, le respect des autres, mais aussi à ne pas accepter les privilèges sociaux. Depuis son plus jeune âge, il se passionne pour l'aviation. Il obtient son baccalauréat en 1917 et en 1921, il s'engage dans l'armée dans le régiment d'aviation. Sa passion pour les avions se reflète dans ses œuvres. Ainsi trouve-t-on L'Aviateur en 1926, Vol de nuit en 1931, mais également dans Le Petit Prince où un des personnages principaux est un aviateur. C'est d'ailleurs cette œuvre que nous allons travailler. Elle a été publiée en 1946, c'est-à-dire 2 ans après la disparition de l'auteur.